président de la République, Didier Bitno, a visité le chantier de construction de logements sociaux à Grédia dans le 5e arrondissement municipal de N'Djamena. 15 000 logements sociaux seront construits sur une superficie de 45 hectares par le promoteur immobilier marocain dans les différents arrondissements de la capitale. 725 villas F4 et 720 villas F3 seront construites. Un salon, trois chambres, une cuisine et une chambre d'amis ainsi qu'une douche sont prévus dans les deux cas. Des espaces verts et de terrains de sport également. En présence des responsables locaux de la multinationale marocaine et du maire de la commune du 5e arrondissement, le chef de l'État a visité le prototype non sans poser des questions pour connaître dans le moindre détail les différents aspects liés à la construction. S'il a tenu à féliciter le groupe à Doha pour cette initiative qui entre dans le cadre des engagements relatifs à l'implantation de la cimenterie Simafou Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno a évoqué des aspects importants liés au retard des travaux et surtout l'exiguïté de logements qui n'ont pas assez de cours. Cela ne reflète pas le logement typiquement tchadien, a dit le chef de l'État qui a demandé aux promoteurs de prendre en compte cet aspect. Ce projet tient à cœur le président de la République qui est attentif aux questions de développement, devra concerner tous les 10 arrondissements de la capitale. Le coût d'investissement est estimé à 82,6 milliards de francs CFA.